Bon, je crois que je suis en direct, directement de la bibliothèque de Rougemont. Et ça fait exactement une semaine maintenant que je suis en route. Et j'ai le goût de vous faire un petit coucou en direct pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, pour vous mettre au courant. Et je sais que mon installation est un peu fragile, là, ça se peut que ça tangue, ça tombe. Alors, comment allez-vous? Ça me fait plaisir d'avoir cet échange-là avec vous via Facebook, via Messenger. Vous ne pouvez pas savoir, quand on se lance comme ça dans le vide, comment les gens autour de nous sont importants. Vraiment, tout seul, là, dans la nature, là, oui, il y a manière de se débrouiller, mais quand on a des choses à réaliser plus concrètes, on a vraiment besoin des autres. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'apprendre ça aussi. Alors, je veux tout d'abord remercier toutes ces personnes qui m'ont hébergée. Il y a déjà sept places où j'ai été accueillie par des familles, par des couples, par des personnes seules. Alors, tout ça, c'est déjà passé. Et je veux vous parler d'une petite anecdote là, que j'ai vécue hier, parce que là, ça tirait à sa fin. Je n'avais plus de personnes que je connaissais pour pouvoir aller chez eux pour faire ce magnifique échange hein, du bonheur au suivant. Et j'étais ici à Rougemont, puis j'avais marché déjà 20 km. J'étais, non, pas tout à fait 20, mais ça s'approchait, puis je savais que j'avais eu ma dose. Et ça a été une telle aventure pour trouver une place. Il y a eu des circonstances. J'ai accroché au moment donné, j'ai suivi vraiment ma vibe, là, mais j'ai accroché aussi des messages que j'ai vus. Puis finalement, j'avais aimé une annonce d'une galerie qui était fermée, mais qu'on pouvait ouvrir sur demande. J'ai appelé la dame, et puis finalement, c'est là que la dernière place que j'ai couché. Ah, mais c'était toute une aventure. Et l'aventure est aussi avec mon corps, parce que tous les jours, j'ai mal à une autre place, surtout mon genou, là. Et je fais un pacte avec mon corps pour que vraiment je le respecte et puis il respecte ma mission, qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Ça va quand même bien. Là, j'ai sorti mes bâtons de marche, dit salut à ma chum Joanne qui m'a dit de les mettre dans mon sac à dos. Là, je suis contente de les avoir. C'est déjà ça de plus léger. Alors voilà, cette aventure, je suis encore au tout début. Hein. Je veux créer un mouvement, mais le mouvement, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'intensité, ça prend vraiment tout ça, l'investissement. Et je veux tellement remercier les gens qui ont partagé. Ça a été vraiment pour moi très, très, très touchant. Vraiment. Et aujourd'hui, c'est ça, à Rougemont, je continue mon chemin tout à l'heure. Tranquillement, je fais un petit crochet vers Saint-Damase et puis ensuite tranquillement vers les Cantons de l'Est. C'est une région que j'adore. Hier, belle grande surprise, il neigeait beaucoup, il y a eu du froid, j'ai jamais marché autant, aussi longtemps dans du grand froid. Le froid de front, là, ah, c'était quelque chose, là, les camions qui passaient, puis je soulevais quasiment, là, c'était vraiment très, très fort. Et ça a marché, hein? Ça a marché. J'ai rencontré des gens intéressants. J'ai dû m'arrêter quand je pouvais m'arrêter à l'intérieur. À l'extérieur, ce n'était pas possible. Alors, ce matin, il y a encore de la neige. C'est encore frais. Il vente encore, mais je pense un peu moins fort qu'hier. Alors voilà, ça fait une semaine, je fais un journal de bord, je ne sais pas encore tout ce que je vais faire avec ça, mais j'ai commencé à poser une question que je vous pose aussi ce matin. Spontanément, pour vous, le bonheur, c'est quoi? Un seul mot. Alors, si vous voulez me répondre à ça va me faire plaisir là, de prendre ça comme un stimulant pour écrire, pour réfléchir aussi, car bien sûr, j'ai le temps de réfléchir. On pense, on oublie dans notre quotidien que c'est vrai qu'au fond, notre désir de base, c'est d'être heureux, heureux dans la vie. Parfois, on se perd beaucoup dans des détails ou dans des choses qu'on s'impose. Et puis là, c'est facile de se perdre. Alors que le bonheur, ça c'est Guylaine qui me l'a dit,
J'aime tellement son mot, c'est facile. Ça peut être facile, même s'il y a encore de la neige aujourd'hui en avril, même s'il y a du vent, même s'il y a de l'adversité. La vie, le bonheur, ça peut être facile. Alors, c'est une décision à prendre et je vous invite de la prendre, pourquoi pas? Et peut-être vous voulez me communiquer ça. Et j'aimerais beaucoup que vous partagiez cette vidéo ou ma page avec d'autres personnes, parce que c'est de là que dépend si je trouve facilement des hébergements, des sites. Alors jusqu'à date, ça marchait, ça va continuer à marcher, je suis certaine. Et je suis pas dans ma zone de confort. Moi, demander, oh, c'est pas facile. Alors j'ai des belles occasions pour le faire. Alors voilà, je vous fais un beau bye-bye, à très bientôt. Je vais écrire probablement aussi un peu plus souvent. J'ai pris un certain rythme de croisière, ça va être plus facile. Et puis, ça dépend un peu aussi du Wi-Fi que je peux avoir là. On reste en contact et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Et si je peux faire quelque chose pour vous, ça va me faire plaisir. Vous pouvez toujours, toujours me rejoindre par message privé. Puis si vous avez des questions, j'ai toujours mes expertises de coach. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça va me faire vraiment un très grand plaisir. Bonne chance et merci pour tes conseils. Ah, Valérie, salut Valérie. Merci d'avoir été là. Et puis si vous me regardez en différé, ne vous en faites pas. Vous pouvez m'écrire comme je vous ai dit. Alors je me réjouis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre journée, dans votre fin de semaine. Profitez-en et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.